Pour qualifier l'entreprise, il est important de se professionnaliser. D'autant que la législation en vigueur nous oblige à détenir un diplôme de niveau 6 minimum. Le secteur lui-même a besoin de structures. Cela passe nécessairement par la formation des dirigeants. Ce diplôme étant de niveau 7, il est bien supérieur au niveau prescrit. Et ceci est un gage de qualité. Alors, pour assister aux formations depuis la Guyane, j'ai coutume d'arriver l'avant-veille, voire la veille. Le voyage est à mes frais et j'ai pris une location pour une période de 12 mois. Il est possible de se restaurer au sein de l'école grâce aux selfs dédiés aux étudiants. Et les repas du soir sont généralement pris à l'extérieur avec les collègues du groupe de formation, car il s'est installé entre nous une très très bonne dynamique. Il existe deux types de cours. Des cours en e-learning via une plateforme de travail en ligne. 10 modules sont à effectuer en autonomie et sont validés par des quiz en ligne. Il y a des cours en présentiel où l'on réalise des travaux en sous-groupe à raison d'environ un par mois. Ils permettent le partage d'expériences car nous venons d'univers différents. Ça va de l'entreprise résidence senior à l'entreprise de service à la personne. Si je devais la conseiller, bien je dirais, lancez-vous dans cette superbe aventure humaine. C'est une superbe année de travail, de camaraderie, de rencontres, d'enseignements novateurs sur le médico-social. Mais c'est aussi une année de stress et de gestion de temps. Mais je vous en conjure, faites-la. Un trésor est caché dedans.